Bonjour, bonjour. Bah, allez, c'est parti. Séance, pardon, de cardio renfo. On est parti avec un petit échauffement. On va commencer par une fente arrière toute simple. Je me profile. On fait une première série où je vous montre les mouvements et ça finit de vous échauffer, d'accord? Donc on ne fait pas les temps impartis dans les séries suivantes, on fait juste pour s'échauffer une dizaine de répétitions. Donc il y aura 6 mouvements, enfin 12 en réalité, qu'on répète deux fois et à chaque fois il y aura 40 secondes sur un mouvement. Et j'enchaîne directement 40 secondes sur le deuxième, il n'y a pas de temps d'arrêt entre deux mouvements, d'accord? Bon, je m'explique par les gestes, ce sera plus clair. On va commencer avec une fente alternée droite-gauche, ici.
j'ai les pieds parallèles, je vais faire fente à droite, fente à gauche. Ici, ça c'est la première option. D'accord ? Pendant 40 secondes, vous allez faire ça. On y va, on le fait ensemble. Hein. Ça finit de vous échauffer. Enfin, des vraies fentes, je descends ici. 40 secondes ici. Ça c'est l'option 1. Si vous êtes à l'aise, je mets l'impulsion avec une fente, sauter. D'accord ? Allez, on en fait encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au bout de 40 secondes, on ne s'arrête pas, d'accord ? Et on va enchaîner avec une fente kick à droite et à gauche. D'accord ? Droite et à gauche. Avec l'impulsion ou sans l'impulsion ? Sans l'impulsion, ça donne ça. Sans partir en arrière. Et avec, kick, hop. Et hop. Un pied chasse l'autre. Allez, encore 8. Ne montez pas la jambe trop haut. Tonifiez-la au maximum. Gardez le dos long. D'accord ? Contrôlez bien ce que vous faites. Hop. Encore 3. Donc là, ça fait 2 fois 40 secondes de travail sans s'arrêter, soit 1 minute 20. D'accord ? Donc endurance sur les exercices. Et relâchez. Ça, ce sera le premier duo de mouvements. 40 secondes, 40 secondes. Puis vous avez 20 secondes de récupération. On va enchaîner ici, au sol. Alors, option plus difficile. Coude sous les épaules et soulevez la taille. On appuie sur le bassin, soulève la taille. Je décolle la jambe, pied flex, le bras en haut. Et je vais faire des battements pendant 40 secondes. D'accord ? Ça, c'est pas compliqué. D'accord ? 40 secondes, je reste. Ok ? Et ensuite, on pivote de l'autre côté. Ok ? Donc, hop, 40 secondes, battement, 40 secondes, je reste. Soulevez bien la taille, alignez bien le bassin. Si cette option vous fait mal à l'articulation des épaules, vous faites la même chose en équilibre latéral. Ici, pardon, je ramène la jambe sur le côté et je fais battement ici. Et ensuite, pendant 40 secondes, j'allonge et je reste en équilibre. D'accord ? Battement, équilibre. Plutôt les deux jambes allongées, hein, excusez-moi, les deux jambes allongées ici, premier temps, battement, deuxième temps, je reste. Ok, ça ce sera le deuxième. Donc, on y va, on se le fait 10 fois de chaque, donc dans une option ou dans l'autre, je montre une première option d'un côté, deuxième option de l'autre. Donc on décolle, hop, on soulève sa taille, pied flex, et on y va, on en fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reste. 9, 8, abaissez vos épaules. 7, 6, soulevez la taille. 5, 4, 3, 2, 1, je repose. On pivote. Et là, je vous montre de l'autre côté la deuxième option. Pied flex, on soulève bien la taille et on abaisse les épaules. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reste en haut. 9, 8, soulevez la taille, décrochez le ciel. 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Ça sera donc notre deuxième mouvement, droite et gauche. On enchaînera avec quelque chose de très simple, un squat. Option numéro 2, option numéro 1, pardon. Je descends comme si je venais chercher quelque chose au sol. Je monte les bras vers le haut en décollant les talons. Un squat tout simple. Allez, ça c'est l'option 1. Allongez le dos, étirez-vous. Option 2, je rajoute le saut. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et
Et là, je reste en bas et on enchaîne avec des petits. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Donc ça, ce sera le troisième duo de mouvement. Ensuite, on passe sur une planche. Et je viens me placer en demi-planche ou en planche complète. Donc ici, je suis en planche complète. Je pousse le poids du corps vers l'arrière. Je vais pousser sur mes talons et ramener. Pousser dans mes pieds et ramener. En serrant le ventre, en repoussant le sol, en allongeant le dos. Au bout de 40 secondes, je stabilise ma position et je vais pousser les fesses derrière et revenir en planche sans abaisser. Attention. Hein. 40-40. Donc le premier, on y va. On en fait 10. Allez. 9. Vous faites une translation vers l'avant. Donc au départ, les poignets ne sont pas sous les épaules, mais vers l'avant. Et je pivote. Enfin, je translate d'avant en arrière en poussant dans mes orteils. En serrant le ventre, en enroulant le coccyx. Contractant un petit peu les fessiers. Et ensuite, on enchaîne. Pousse et ramène. Allez, 8. Je passe de la pyramide à la planche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. On relâche les poignets. Et on se relève. Pour enchaîner avec le deuxième duo d'exercice. Donc ici, on va faire feinte latérale sur le côté. Donc j'ai une jambe pliée vers l'extérieur, la jambe d'intérieur elle est tendue et je remonte ici pour changer. Première option. Hop, hop, avec les bras, ça donne ça. D'accord? On y va. Encore 8, je vous montre l'option 2 avec le chassé. 5, étirez bien le dos. 4, 3, 2, 1. Et au bout de 40 secondes, on rassemble les pieds et ça fait ici. Allez, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Allez, encore un de chaque côté. Ok, et relâchez l'avant-dernier du haut de mouvement. Et on finira ici. Hop, relâche. Et on finira avec les demi-ponts. Donc, travail des fessiers de l'arrière des jambes. Le premier, le bassin stable. Je vais décoller une jambe et poser. Allez, on en fait 10. 9. 8. Détendez bien le haut du corps. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et ensuite, on enchaîne. J'ai les pieds posés et je fais des petits. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, et je repose, vous ramenez les genoux, et vous venez vous rasseoir. Voilà, on a fini ce petit échauffement et cette première série finalement. On va maintenant enchaîner avec le duo de mouvement. Donc, ça fait 40 secondes sur un, 40 secondes sur l'autre. Je vais lancer le timer autant que vous buviez un coup. Donc moi, quand il reste 40 secondes, je vous donne le moment où il faut changer d'exercice. Je garde ça pour avoir une visibilité. J'espère que vous êtes prêts. On va faire deux fois ça. Et ensuite, on fera un autre petit exercice pour finir la séance. Et on sera bien. Alors,
On commence avec la fente, d'accord? Donc au bout de 40 secondes, hein, je fais la fente. Fente arrière, avec ou sans le saut, vous choisissez et on enchaînera avec le kick. C'est parti. Allez, je montre la première option, hein, ici. Sans le saut, le dos long, je décolle bien mes talons. Je me grandis, je plie les genoux, je dois le sentir dans les cuisses. Et si ça va, je rajoute le saut. Allez, c'est ça sur 40 secondes. Amortissez bien, hein, le saut avec vos abdos, avec les muscles du dos. Allez, encore 5 secondes et on change. Et on enchaîne avec le kick. Alors attention, hein, là ça fait appel à l'équilibre. Ça veut dire qu'il faut encore plus être gainé. Attention à ne pas partir en arrière. Ça veut dire que je ne monte pas la jambe trop haut. Je fais un kick dans le bas de la porte. J'imagine que je pousse dans le bas de la porte. Allez. Et la jambe, elle est tonique. Hein. Hop. On la laisse pas balancer. Encore. Allez, ça commence à chauffer. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Allez. Encore. On tient. Ok, vous avez 20 secondes de récupération. On fait les kicks. Enfin, les... On appuie sur le côté. Je me grandis, je décolle, j'allonge et c'est parti. Soulevez la taille, abaissez vos épaules, pieds flex. Petit battement. Je montre une option d'un côté et je change de côté, je montrerai l'autre. Hein. Soulevez la taille, bras vers le ciel, le regard vers le sol si besoin. Soulevez bien votre taille, abaissez votre épaule. Le bassin est bien dans l'axe et pas du tout dirigé vers le plafond. Hein. Ok? Allez, on le tient. Attention. Et je reste. Allez, on tient 40 secondes. On souffle. C'est très bien. On soulève sa taille. C'est le moment de bien replacer sa posture. Abaissez l'épaule. Regardez vers le sol si besoin. Allez, on tient, c'est bien, on lâche pas, on lâche pas, on garde sa posture, on allonge bien sa jambe. Allez, plus de 10 secondes, je sais c'est dur. Allez, allez. Et relâchez, vous avez 20 secondes pour tourner de l'autre côté. Donc là, soit vous reprenez la même option, moi je vais montrer la deuxième plus facile. Ici, de manière à ce que vous voyez les deux. Donc là, je suis en appui, les deux jambes sont décollées du sol, la taille est soulevée, les épaules abaissées, et on y va. Petit battement. Allez, on souffle. On soulève sa taille, on monte le ventre, on abaisse les épaules. Allez, tout petit, petit. La taille touche pas le sol. Vous le sentez au niveau des moyens fessiers. Alors, attention, dans 5 secondes, on stabilise la position. Si vous êtes hein, sur les coudes, vous soulevez bien votre taille. Et on reste. Allez, on tient. Soulevez la taille, décollez les jambes. Rentrez le ventre. Encore 30 secondes. Allez, on tient. Décrochez le bras là, comme si vous étiez suspendu au plafond. Il n'y a presque aucune partie de votre corps qui touche le sol. Tellement vous êtes en gainage. Allez, on tient. Ah.
Ok, on se relève. Vous avez 20 secondes. On passe au squat. Donc, squat sauté enchaîné avec des petits squats. Ça repart, attention, dans quelques secondes. Allez, je montre les deux options. D'abord sans le saut, puis avec le saut. Je décolle les talons, je monte. Vous l'avez fait des centaines de fois, vous le connaissez par cœur. Si ça va, on rajoute un saut. Allez, encore. Amortissez bien le saut, allongez le dos. Allez, encore 5 secondes. Et on passe au petit squat. Attention, je descends et petit. Allez, après ça, il restera deux exercices. Allez, on tient les petits. Je vous dis n'importe quoi, il restera trois exercices. Désolée. Allez, là, ça chauffe dans les cuisses. Allez, tirez bien les bras. Ici ou ici. 10 secondes encore. Et on passera aux planches. Secondes. On vient se placer en planche. Allez, étirez bien votre dos. Préparez-vous. Allez, je suis en planche. Les poignets à l'avant des épaules et je pousse dans les orteils pour aligner l'épaule sous les poignets. En aller-retour, on creuse le ventre, on repousse le sol. Et il s'agit bien d'une translation et non pas d'une montée de fesses vers le plafond, on est bien d'accord. Hein? Allez. Au bout de 40 secondes, on passera en gainage pyramide. C'est déjà dans 5 secondes. Allez. Attention. Dans 5 secondes, enfin maintenant, pardon, je suis en planche et je place la tête entre les bras, je monte les fesses vers le plafond et sans perdre mes alignements, je repasse en planche. Allez, bloc et pyramide. Et bloc et pyramide. Allez. On pense à bien respirer. Ok, on se relève et on va enchaîner avec les feintes latérales suivies du squat jambes tendues sur le côté. Allez, respirez bien. Vous avez vu, hein, j'alterne renfort cardio pour que vous puissiez bien récupérer. Donc on y va. Allez, côté. Ça c'est sans le saut. Je reviens bien pied parallèle et je change. Mouvement des bras pour bien travailler au niveau du cardio. Ou alors en chassé. Allez, j'amortis le chassé. Allez, on souffle. Attention. On stabilise en squat et on enchaîne. On s'arrête pas. Allez, boum sur le côté, point fermé. Tonique. Encore. Allez, encore. Jusqu'au bout. On tient. Après ça, il ne reste plus que un duo.
Allez, relâchez. On finit. Allongez sur le dos. Hop. Le demi-pont. J'alterne jambe droite, jambe gauche. Et le bassin, il ne bouge pas. Il est toujours fixe. Allez, je décolle une jambe puis l'autre. Détendez bien le haut du corps. Léger quand je repose le sol, le pied au sol, pardon. Contractez bien les fessiers. Je regarde le temps. Allez, attention. Dans 5 secondes, je garde les pieds posés au sol et j'enchaîne avec des tout petits. Allez. Allez, c'est le dernier pour cette première série. Serrez bien vos fessiers jusqu'au bout. Courage. Allez, encore. Et relâchez. Ramenez les genoux sur la poitrine. On se fait une petite minute de récup. Et ensuite, on reprendra ça une deuxième fois. D'accord? Vous avez vu, hein, c'est en endurance, hein, sur 2 fois 40 secondes d'affilée. Même si les exercices varient, ça fait quand même une endurance. Hein, donc, sur le deuxième, vous mettez le paquet. On boit juste un petit coup. Et on remet ça. Donc, fente arrière. Sauter ou non, enchaîner de front kick, d'accord? Allez. Je rappelle que si vous avez besoin de prendre plus de pause, vous mettez la vidéo sur pause. Hein. Moi, j'enchaîne. On va repartir sur la fente. Vous êtes prêts? Allez. C'est parti. On met l'énergie, que vous soyez avec ou sans le saut. On va un peu plus vite sur ce deuxième. Hop, allez. Hop. Amortissez bien le saut. Vous êtes léger sur le sol. Gainage. Allez. Attention. On enchaîne avec ici la fente suivie d'un kick et je change. Ça demande de l'équilibre dynamique. Donc, c'est là que on teste son gainage. Ne partez pas en arrière, ne pliez pas le dos. Vous devez toujours vous grandir. Ok, relâchez, vous avez 20 secondes pour vous mettre au sol avec grâce. Allez. Ici. Un équilibre sur le côté. Bassin aligné, coude placé sous l'épaule, attention. On soulève, on allonge la jambe et bâton. J'éloigne toujours la taille du tapis. Allongez le dos, repoussez la nuque, soulevez la taille. Allez, on reste en tout 1 minute 20 dans cette position. Donc n'hésitez pas à passer allongé sur le côté, hein, l'option que je vous ai montrée sur la première série. Écrasez pas la taille, écrasez pas l'épaule, grandissez-vous. Encore 10 secondes.
Stabilisez bien votre bassin. Tendez la jambe. Contractez la cuisse. Contractez les fessiers. Et ici, je reste. Allez, on tient. Si vous pouvez, vous préférez poser la jambe, hein, vous pouvez. D'accord ? Sinon, je reste à hauteur. Allez, on tient. Allez, 20 secondes. Je peux poser la jambe si je fatigue. Soulevez bien la taille. Abaissez vos épaules. Encore. Allez, on le tient. Vous avez vu, hein, le bassin est monté vers le plafond. Ça, c'est ce qu'on évite de faire. Hein. Ok. Allez, je repose en contrôle. On pivote de l'autre côté. Je remontre la position intermédiaire sur ce côté. Hein, mais vous choisissez, vous. Moi, c'est pour avoir un visuel des deux. Allez, on soulève les jambes, on soulève la taille. On est en équilibre sur les fessiers. Et sur le bassin, pardon. Et petit battement. Allez, pensez au placement de vos épaules. Hein. Voilà. Pour avoir le chrono sous les yeux. Allez, encore. Le bras bien étiré, soit vers le haut, soit le long du corps, mais les épaules basses, la taille soulevée. Encore 10 secondes. Allez, on reste. Soulevez bien la taille. On tient. Allongez le dos. Creusez le ventre. Vous n'êtes plus qu'à quelques. Vous n'avez plus que quelques centimètres de corps posé sur le tapis. Et relâchez. Allez, vous avez 20 secondes. Et on va repartir sur les squats. Allez, attention, reprenez bien votre souffle, relâchez un peu les épaules, avec ou sans le saut. Attention, c'est reparti. Allez. On prend le temps d'inspirer, de souffler. On avance bien son dos, on fléchit bien ses jambes. Le dos n'est pas du tout arrondi. Réception est bien là. Le poids de corps, hein, amortissé. Allez, allez. Un peu de courage. On enchaînera avec les tout petits squats. Sans monter complètement. Allez, je reste en bas. Allez, c'est là que ça pique. 30 secondes encore. Après, on passe aux planches. Allez, sans retendre complètement les jambes. Les genoux restent bien sur les chevilles. On tient. Relâchez, je me mets à l'arrière de mon tapis et on vient en planche. Allez, courage. Donc au départ, les poignets sont à l'avant des épaules, d'accord. Allez, si jamais ça vous convenait pas à l'option, vous restez en demi-planche simple et vous bougez pas, ok. Allez, hop, hop, c'est parti. Translation, sans monter les fesses, hein. Hors de question de faire ça. Pas de mouvement de bassin. Pas bon pour le dos. Et vous sentez moins le travail des abdos. Allez. Ça tire dans les mollets quand je suis vers l'arrière. Je pousse dans les orteils à l'avant. Allez. Après, c'est les fentes latérales. Courage. On passera en pyramide dans 10 secondes.
replacer les mains sous les épaules en contrôle. Et c'est parti. Allez, à la force de vos abdos, hein, faut pas que ça descende plus bas que les épaules, le bassin. Sinon, c'est pas bon pour le dos. Allez. Allez, on travaille bien au niveau du dos aussi, là, sur cet exercice. Inspire et tu souffles. Allez, encore. Allez, c'est bien. Ensuite, on fait les fentes. On ramène le pied après l'autre. 20 secondes pour récupérer. On fait les fentes latérales suivies du squat de côté. Lâchez le poignet. On y va. Allez, prends appui sur le côté, cercle le dos. Allez, on met une belle énergie. Presque fini. Allez, on essaie d'être explosif, tonique. Pas tout mou. Pas relâché. Allez, encore. C'est bien. Jusqu'au bout. Faites bien le mouvement des bras. Restez tonique. Allez. Attention. Ici, je viens de passer. Et c'est parti. Allez, boum. Poings fermés. Bras étirés. Encore. Après ça, c'est les fessiers. Et on aura fini. Encore. Allez. 15 secondes. Et dernier, sur le dos, on monte le bassin, on serre les fessiers, on ancre les omoplates, les pieds dans le sol, le bassin ne redescend plus pendant 1 minute 20, on est bien d'accord. Allez, c'est parti, droite, gauche, sans baisser le bassin, là ça travaille dans le bas du dos, hein, et dans les fessiers, et dans l'arrière des jambes. C'est très bien. On continue comme ça. Jette un coup d'œil au chrono pour ne pas vous arnaquer. Attention, 5 secondes. 2. Un, je pose mes deux pieds au sol et j'enchaîne avec des petits. Allez, ça commence à piquer là. On respire. Allez, c'est les derniers efforts. Après, il ne nous restera qu'un tout petit exercice. Encore. Et on relâche. Super. Massez un peu le bas du dos. On se relève. On boit un coup. Et je vous propose un petit exercice cardio pour finir. Donc le temps de vous récupérer, je vous montre. 20 secondes. D'accord? Je descends, j'allonge mon dos et je cours sur place. 10 secondes. Je viens me placer en planche. Mountain climber sur les 20 secondes suivantes. Je ramène mes genoux vers la poitrine. D'accord? Je peux aussi choisir d'être plus lent. Ok? 10 secondes. Je bloque. 20 secondes, petite course sur place et ça repart. D'accord? On fait ça
4 fois chaque, ça fait 8 en tout. 4 minutes de travail et on aura fini. Allez. Je lance. Juste 2-3 petits étirements pour finir la séance. Ok, allez, on se relève. Vous allez diriger les doigts vers le sol, abaissez vos épaules et tirez les doigts vers le sol comme si vous vouliez les enfoncer dans le sol. On inspire,
Et on souffle. Relâchez bien les genoux. Prenez le temps de respirer. Voilà. Étirez les doigts dans le sol. Puis vous montez les bras. Main flex, vous repoussez les murs. Encore. Je tourne les mains. Je les rapproche derrière. Et je m'étire. On revient doucement. On abaisse les épaules. On dirige les doigts vers le sol comme si on voulait aller toucher ses avant-bras. Et on arrondit le dos sans monter les épaules. C'est un peu zombie, je vois. Allez. Et je remonte doucement. Je vais ouvrir, laisser partir la vrille et étirer. Allonger le bras. Et je reviens. Même chose de l'autre côté. On étire après avoir vrillé. Et je reviens, je relâche les bras, on prend une inspire, on souffle, on étire à l'inspire et on relâche. Et souffle, inspire et tu relâches. Dernière fois. Et souffle, inspire et tu relâches. Bravo à vous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et je vous dis à la semaine prochaine pour la séance suivante. Allez, au revoir.